Quel bel après-midi pour faire une promenade dans Los Santos. J'espère que tu vas bien, j'espère que t'as la patate, c'est Jaya. 15e épisode déjà, ou 16e, je sais même plus où on en est, de notre Let's Play. J'ai investi dans l'automobile. J'ai acheté la Vaca. Et la Vaca, elle va bien. Pourquoi va-t-elle bien? Regarde-moi ça. Hop là. La Vaca, avec ses jantes en 58 pouces, ses pneus en semi-gomme de course de marque Atomic, son capot en polycarbone profilé de polyglate, son aileron sportif, son moteur monté level 27, ses amortisseurs de course, tout est de course, même le poste est de course. Et surtout, la Vaca est dotée du plus beau klaxon de Los Santos. Bon, j'espère que tu vas bien, hein. Moi, j'ai bien kiffé mon petit klaxon. T'arrives, t'es super impressionnant. Et au final, t'as un klaxon de merde. Et ça me fait bien plaisir. On va aller voir Simeon direct. Simeon, comme diraient les amis canadiens. Et on va voir ce qu'il nous propose comme mission. À moins que ce soit pas maintenant. Et que va falloir que j'aille rejoindre Trevor ou Franklin. Ça me ferait chier parce qu'ils ont pas une aussi belle voiture. Le plus blindé, c'est Michael. Il a toujours été riche, Michael. Depuis tout petit. Il est né, il était riche. Il a toujours été riche. Et Simeon, c'est où? C'est ici, à la Banque Internationale. On va se garer par là. Musique. Moi, j'aime bien la disco. Hop là. Moi, je me gare où je veux. Hop. Salut les biatchs. J'ai les petits culs. Excuse-moi, je tripote un peu. Normal, je suis le king de la ville. Je rigole, c'est un jeu. On fait pas ça dans la vie réelle. On respecte. Déjà, c'est pas des biatchs, c'est des femmes. Dans les jeux vidéo, c'est des biatchs. On s'en fout, on se lâche. Tu fais style, t'es un peu macho, un peu con-con. Tu t'amuses. Et en fait, je me suis garé à 300 km de chez Simeon. C'est normal. Si je devais récupérer ma caisse, il va falloir que je tape un sprint. Doucement, les gars. Merci. Bon, Simeon, mon petit coquin, t'habites où? Le S, il est par là. Hein, on est d'accord. C'est génial. Voilà, on y est. Bon, on va grimper. Hein. Tu veux pas grimper, là? Non, il veut pas grimper. Il veut pas grimper. Est-ce que ça veut dire qu'on est obligé de rentrer comme ça? Ou on se fait tirer dessus si je rentre? Non, ça va. Ah, c'est au truc de cinéma. D'accord. Allez, c'est parti. On va aller voir le producteur. Voir ce qu'il me propose. Est-ce qu'il va vendre ma fille? Comment ça se passe? C'est là? Non, c'est pas là. Et pourtant, c'est là le S. Ici. Pile poil dans la place handicapée. À moins que... Ah, c'est là le petit point jaune. C'est parti. Action cinématique. Hello. Come in. Thanks. You must be Michael. Yeah. You know, I used to have three secretaries. Now I have to make my own coffee and give myself a happy ending. See, the ships are coming in. But the walls will hold us. Nelson in Naples. Pluto? I said Mars, you cocksucker. Shoulder of Orion. Two. Devin Weston said you were a fan. Huge fan. Tell me, Michael, Devin Weston, does he want you to bump me off? No, not at all. He said you were retiring but might need some help on a movie. Only assholes retire, Michael. Him and my son, they want to put me out to pasture so they can turn this place into condos or a theme park or something. But this place is a dream factory. Well, maybe they have different dreams. Some days, I don't blame them. You know, they always say, never work with children or animals. Well, I want to add to that list. Never work with directors or actors. This picture is going to kill me. All right. So what's it about? It's perfect. Set in Liberty City. Meltdown. It's all being shot on green screen right out back there. We take a look at the financial crisis, and then we boil it all down into a really simplistic battle between two yuppies. Lots of training montages. Between. So what's the problem? Milton McElroy. I cast him in the second lead because he's cheap. Zero talent, incidentally. Well, he's got this new agent, Rocco Pelosi. He's been hassling us about renegotiating the deal. So now,
He's holding up shooting until he gets paid. That sounds problematic. It would be if the director wanted to shoot. Anton Baudelaire. Ever heard of him? That doesn't surprise me. Now he's having a mental breakdown, pissing all over himself who knows where. All right. Looks like you got yourself that new assistant. But no happy endings. I love you already. Bon, on va se diriger à l'est de Los Santos. Ce qu'on va faire, c'est ce que j'avais prévu de façon, c'est d'aller chercher ma caisse à 6500 km du lieu de la mission. Petit saut, non, par-dessus. Hop là, moi j'aime bien sauter les barres. On y va. On va récupérer la voiture, qui est très loin. J'espère qu'elle y est encore d'ailleurs, parce que sur la map, elle n'apparaît pas. Alors est-ce que ça veut dire que je l'ai plus? Et si je l'ai plus, je suis dégoûté. Ma voiture à 500 000 $. Voilà, c'est vert, on peut y aller. T'as des jolies bottes. Salut. Mais elles sont mimi dans le coin quand même. Allez là-bas. Je savais pas qu'elle n'apparaissait pas sur la carte, la voiture. Peut-être que je devrais mettre une balise. Hey Solomon, I'm just doing that thing. Good, good. Now, I realized in my excitement, I forgot some details. Yeah, ouais, seemed obvious. You want this Pelosi guy clipped? No, God no. Is that an option? No. No, bad idea. No clipping anyone. Just teach him some manners. He's also in my director's ear as well, if you'd believe it. So teach this punk a lesson and bring the talent back to set. Ideally, in a more collaborative... Excusez-moi, je lis, hein. Ça a l'air important pour la mission. They all gonna be at the club? I'm told it isn't a club so much as a rat pit. Anton and Milton are supposed to be there, and Pelosi's on the way to pick them up. He's taking them to his lawyer to sign the contracts. So if he hears there's someone from the studio coming, ouais, en même temps, lire, c'est impossible de lire, comme d'habitude. Là, j'ai lu la moitié. Attention, excusez-moi. Je voudrais pas faire une rayure. Merci. Bon, ok. Il a rajouté 2-3 petits détails qu'on a rien compris. Donc toi, t'as pu comprendre parce que t'as pu lire. Moi, j'ai rien compris. Oula, oulala. Je vais y faire une faciale. Une faciale avec la voiture, c'est pas la même. On va prendre le petit pont d'Avignon, ça me fait plaisir. Petit virage, on est à 1,60 km. Oula, il y a des travaux. Oh, le jump! Oh, le jump! Non, obligé. La mission, on verra plus tard. Oh non, il y a un saut unique là, obligé. Moi, j'en ai fait aucun quasiment. Là, il m'a l'air magnifique. Avec la vaca, ça va donner sa mère. Excusez-moi. Attention. Voilà, superbe. Bon, je vous ai pas dit, mais normalement, je me suis mis une carrosserie blindée. Oh, l'autre, il est mort, le con. Je me suis mis une carrosserie blindée et j'ai coupé la circulation. Et m'emmerde, et ça veut dire qu'en fait là, je suis parti dans un bordel. Au lieu de faire la mission, moi je crée un embouteillage monstre, histoire que je puisse pas prendre mon virage comme il faut, hein. C'est-à-dire qu'ils vont boucher la route. Hop là, on freine. Petit dérapage contrôlé, et on y va. Bon, j'espère que là-bas, ils ont résolu le problème, que le décédé a été emmené à la morgue, paix à son âme, et que moi je puisse faire mon saut unique. Ça va déchirer sa race. Saut unique, me voilà. Par contre, va falloir me laisser passer les gars. Oh merde, putain. On recommence. On va les couilles. Comment on fait? Les gars, on se regarde, on prend le train, sans cul, on fait quoi? Excusez-moi de ce petit moment de vulgarité. Qui normalement, si je me réécoute bien ma vidéo en entière, je devrais la censurer. Parce que moi je dis pas de gros mots dans la vraie vie, une savasse. Jamais. On y va. On reprend de l'élan, et moi le saut unique, je te dis, je le veux. Hop là, freestyle du dérapage. Petit frein à main avec des freins et un petit contrebalancé du volant. Magnifique. Bon, maintenant je veux personne devant moi. On se pousse. C'est parti. Saut unique numéro 1. En direct pour toi. Jaya fait son jump. Magnifique. Sublime. Je jouis. Et je vais atterrir à New York. Wow, il est beau. Oh non. Non, je me suis bouffé un poteau. Tu crois, toi, il y a un poteau en l'air, c'est pour ma... Ah, mais il y en avait un deuxième. Yes, ça y est. Tout petit, mais réussi, on s'en fout. Tac. Bon, je vous l'avoue, j'ai fait de la merde, c'est pas grave, j'ai bousillé ma caisse, mais bon, elle est en mode blindage extrême. Là, on va prendre la sortie, là, c'est ça? La petite sortie, le petit dérapage, on y va, on continue. Nous sommes qu'à 2 km, tout à l'heure on était à 1,5 km, et maintenant on se retrouve à 2 km avec mes conneries. Mais t'inquiète pas, le temps va passer vite. Va te chercher un paquet de chips. J'ai la patate aujourd'hui, je t'explique même pas. Je pourrais te faire 19 épisodes à la suite. Mais j'ai pas le temps, bon, j'en ferai qu'un, ce sera déjà pas mal. Hein, déjà je suis à la bourre, je vais pas te raconter ma life, mais au niveau du let's play, je suis à la bourre. Je peux te dire que là, c'est, je l'ai fait au jour le jour.
Bon, 1,2 km, j'ai bien envie de te dire que c'est vrai qu'en ce moment, je dis beaucoup, j'ai envie de te dire, je sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup de choses à te dire. Et là, faut vraiment que je parle. Hop là. Là, on va tourner ici. Hop, hop, le feu rouge, on s'en bat la cataracte. Lui, on le prend par la gauche. Lui, par la droite. Le poteau, on le bouffe. Hop là, on se retrouve en sens inverse. On évite la voiture de à l'ancienne, quoi, quelque part, j'allais dire de Harley Davidson, mais c'est une moto. Donc je dis complètement n'importe quoi. Hop là, hop là, hop là, hop là, freestyle. Ah, on est arrivé. Je suis content, je klaxonne. Pousse-toi. Gentlemen, how you like this space? It's gonna be an EDM paradise. There's gonna be sparklers stuck in bottles, implants, tramp stamps, all the real shit. That's Pelosi Entertainment. Now give me a minute here, just a minute. I gotta go grab something inside. Johnny, we nearly got the club. We're finally a go. Now you take care of these guys. No cold feet, okay? Let's go. Atteignez l'héliport sans alerter Rocco Siffredi. Donc ça veut dire qu'il faut que je rentre peut-être par ce portail, dans la discrétion et la subtilité, et que je marche doucement, et que je me cache surtout. Je sais pas s'il veut faire une boîte de nuit, ou tout faire cramer pour toucher le fric de l'assurance. Doucement. Marche tranquillement. Voilà. Par contre, douce. Ah mais je suis obligé de les tuer en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, c'est mort. Voilà. Ouais, non, c'était juste un test. Hein. Là, je sais que la mission est annulée. Je savais pas si j'avais un silencieux en fait. Donc je sais très bien ce que j'étais en train de faire. Parce que je vous vois déjà venir dans les commentaires. Je le savais, mais j'ai pas de silencieux. Donc maintenant, je le sais. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est que les mecs, je vais me les faire. J'aurais dû m'équiper d'un silencieux quand même. J'ai rien en silencieux. Hein. J'ai rien en silencieux. Je vais me les faire comme ça. Double headshot, vous allez voir. Allez, cours. Cours, Forest. Monte sur le grillage. Hop. Analyse de la situation. J'en ai un ici. Décalage. Hop. Ah, attendez. J'avais pas vu l'échelle. J'avais pas vu l'échelle. Comme quoi, des fois, moi, je vais trop vite. Il y a une échelle, là. On va monter à l'héliport. Il y a même une entrée ici. Et moi, il faut que je passe à côté d'eux, comme un gros con. Doucement. Fais pas de bruit. Oula, il y a un gars là-haut. C'est ça? Ouais, c'est bon. Cache-toi. Par contre, je me rappelle plus comment on fait pour frapper. En secret. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça veut rien dire. Voilà, doucement. Cache-toi là. Là, il me voit pas. Il va faire demi-tour, non? Doucement. Doucement. Je crois que c'est L2. Voilà. Donc là, lui, c'est fait. Hop. Là, je peux. On peut aller légèrement plus vite. Et l'héliport, il est. Il est plutôt par là. Voilà. Tranquille. No stress. No stress, Jaya. J'ai confiance en toi. Ouh. Cache-toi. C'est qui ça? Allez, on y va. Doucement, voilà. Est-ce qu'il me regarde? Et si je me l'ai fait au snipe? Mais si je l'ai fait au snipe, ça veut dire que je tue le protagoniste de l'histoire quelque part. Cache-toi. Est-ce qu'il y a une échelle? Oui, il y a une échelle.
Ouais, mais si je prends l'échelle, ils vont me voir. Bon, ce qu'on va faire, je vais prendre l'échelle. Et on va voir comment ça se passe. Inch'Allah. Allez, allez, allez. Bon, j'ai pas été repéré, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qui se passe? Club ain't open, Snowbird. Who's this jackass? Hey, you! Oh, turns out these guys are in love with their contract. So they'll be going back to the set with me. Can you believe this fucking clown? No! This guy's all mine! Who are we rooting for? The gray one or the orange one? Tiens, dans ta gueule. Par contre, je sais pas faire... Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas faire des coups différents. Alors ça, je veux bien dans les commentaires. Tu vois, petite roulade sur le côté, un petit percut, grand écart entre deux tonneaux. Bon, ça sert à rien, mais ça fait Jean-Claude Van Damme. Et moi, quand ça fait Jean-Claude Van Damme, ça me fait plaisir. Monter dans l'hélicoptère. Mais ils sont pas dans la merde, les deux, là. Hein, les gars, salut. Voilà. Bah, j'espère que vous avez pris votre sac à vomi. Donc, où est-ce que je vais? Où est-ce que je dois aller? Effray Hamilton et Anton en volant à grande vitesse, en passant sous les ponts et en frôlant les bâtiments. Ouais. Olé, ben ça c'est mon métier. Moi ça je devrais y arriver. Par contre, est-ce qu'il y a une jauge de... Oh, on va se scratcher, on va se scratcher, on remonte. On va se scratcher. Allez, remonte, remonte. Remonte, voilà, une hélice en moins. Et faut trouver des ponts maintenant. Il faut que je trouve des ponts pour bien les faire flipper leur race, aux deux. Mais où est-ce qu'il y a des ponts ici? Regarde, je vais atterrir. Et non, je remonte et je tourne en même temps. Hop là, pitié, ouais, je vais t'en donner de la pitié, moi. Hop là, au-dessus des arbres. Faut juste que je trouve un pont, ça me ferait plaisir, hein, les gars. Parce que je pense que tant que j'ai pas fait un pont, ils vont pas valider la mission. Ah, là, il y a un pont. Attention, atterrissage. Voilà. Je suis passé sous le pont. Tu m'étonnes sans le brûler. J'ai démonté la voiture. Ah, voilà, c'est bon. Je vous taillerai une pipe. Voilà, c'est tout ce que je voulais, moi. Je vous ramène au boulot. Et il est où, le boulot? Ok, c'est parti, on retourne au studio. Bah, ça a été facile, hein? À deux doigts de faire exploser l'hélicoptère, passer sous un pont, tout le monde a bien flippé. Ça sent bien le vomi de pipi de caca dans l'hélicoptère, c'est génial. Par contre, je voudrais arriver avant qu'on explose. Non, Blaster, je ne peux pas jouer. Je suis en direct. Je te kisse la molaire. Blaster J est un KS. Invitez-le en masse sur son PSN, ça lui fera plaisir. Je veux qu'il ait son PSN blindé d'invitations. Et dans les messages, vous mettrez « c'est Jaya qui l'a dit ». Ça me fait plaisir. Ça lui fera plaisir. Et ça nous fera tous plaisir. Et là, son atterrissage au studio, forcément, il est à 12 500 km du point de départ, normal. Oh, la grue. Faudrait que j'y vienne un jour à cette grue. En même temps, grâce au multi, on découvre plein d'endroits aussi. Puis grâce aux missions, surtout. Parce qu'on a vite fait d'être toujours aux mêmes endroits. C'est vrai qu'elle est immense, hein, cette ville, hein, quand on y pense. Hein. C'est vraiment bien foutu, quoi. Même si certains disent que est-ce que ce jeu vaut vraiment son succès. Moi, n'ayant pas trop joué aux 4, j'ai pas vraiment de référence. J'ai référence des premiers. Oula, je suis sérieux, qu'est-ce qui se passe? C'est pas moi. C'est mon côté schizophrène. J'ai un personnage sérieux, il va pas bien. Il est malade. Bon, où est-ce que j'atterris, là? Allez, petit demi-tour, si je peux. Voilà. Bon, on atterrit où, là? Où est-ce que vous voyez un H, les gars? Où est-ce qu'on voit un H pour atterrir?
Ah, c'est là le studio, ok. Ah là, c'est là, oui, je viens de voir le point. Doucement, doucement. Doucement. Psychopathe, doucement. Voilà. Allez au bureau de Salomon, c'est parti. Donc, Ekel et Jekyll, c'est bon. L'autre, ça va qu'il est habillé en blanc, mais sinon... au bureau, j'allais dire des conneries. Bon, et si on courait un peu, les gars, parce que là, franchement, mon de chic molle, on commence à me gaver, à marcher tranquillou. Moi, j'ai pas que ça à faire, j'ai un let's play. Il me reste une trentaine de missions. J'y suis, là. Ouais, le bleu. Si jamais tu as... Ah, d'accord, faut qu'ils soient là, les deux. Oh, vous êtes vraiment des quiches, les deux, hein. Allez, Stevie et Wonder, dépêchez-vous. Ils font quoi? Point jaune. On se dirige, on est d'accord, vers le point jaune. Il faut juste que les deux ils me suivent. Tic et tac. Voilà. What a wonderful surprise. Anton, my boy. You're an artist, I know that. And this story is the best kind of art. A simplistic, cliché-ridden pile of dross that you will turn into magic. Get a grip. I love you. So, Solomon, Milton here has a little something he wants to say to you. Say it. I just want to say that I'm sorry for any misunderstanding, sir. And I appreciate all the opportunities that you've given me. Of course, of course. Michael, what can I say? You're a natural. I love you. You're too kind. No, I mean it. I don't mean to presume. But would it be okay if I gave you a shout? This shoot seems cursed for some reason or another. I need an associate producer. I'd love that. We'll talk soon. I gotta go. Oh, hell yeah. Yes. Way. La balle. J'ai rien lu, mais c'est de la balle. Il est trop content. Bon, nouveau contact, Salomon. Mission réussie. Argent. Tu peux pas test. Nickel, atterrissage parfait, forcément, ça n'existe pas chez moi. Et puis voilà, maintenant, ma voiture, elle est à 16 682 km. Ce qu'on va faire, on va prendre un hélicoptère qui est défoncé, mais on va le reprendre quand même. Et on va aller enchaîner sur les autres missions, je vais regarder ce qui reste. Et ben, il n'y a pas des masses. On va prendre un autre personnage, je vous dis à tout de suite. C'est quoi ces trucs? En fait, Franklin, il est... Ça, c'est les motos à apporter au garage, c'est ça? Bon, on n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour faire des missions. Mission 2 avec Franklin. C'est parti, épisode 16. Ça me fait plaisir. Ouvre-moi cette porte, dépêche-toi. Freestyle. Yes. Musique du ghetto. Pour un gars du ghetto qui est sur sa moto. Il y a tout qui rime en haut. Et ça, c'est bon. Yo, ouais. A Los Santos, tout est bolos. A Los Santos, t'as mal au dos. A Los Santos, t'as pas de mission. A Los Santos, t'as mal au fion. J'ai envie de te dire que j'ai envie de te faire un slam. Le slam, c'est l'amour. Le slam sur un fond hip-hop. Le slam, c'est pour occuper les trajets. Bon les gars, on est sur Franklin. J'ai récupéré Franklin, c'est magnifique, c'est sublime, c'est subtil, c'est délicat. Et là, je me dirige vers le D. Le D comme DOS. Parce que un, dos, tres. Voilà. Hop, on va prendre par ici. Tac, le D est pas loin. La mission s'approche. J'espère que tu es en train de trembler. Que tu as les mains moites. Et tu attends que ça. Le contrôle de Trevor, pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire? Utilise les commandes pour déplacer la caméra et zoomer en avant et en arrière. La puce. Quand vous le scannez, le système examine les bases de données qui sortent de leur dossier. Et... scanner son pote. Hop.
Là, le pote, il est où? Voilà, ok. Et je fais quoi maintenant? Qui révélera son nom et son casier judiciaire. Maintenez R2. Scan en cours. C'est délire. Franklin Clinton, attentat à la pudeur. Il s'est fait griller, Franklin. Si on voyait mon cul, les flics arrêtent les blacks pour n'importe quoi. Ils sont tarés dans ce jeu. C'est ça qui est bon. On fait quoi? On continue à scanner, lui? Bon, allez, c'est parti. Il y a du scannage en cours. Oula, il est très loin d'ailleurs. Scanner les cibles. Ouais, ils sont loin. Hein. J'espère que le déplacement sera un peu plus rapide, parce qu'à ce rythme-là, on n'a pas fini. Allez, accélère. Mission fumette interdite. Blaster Jay. N'hésitez pas, invitez-le. Il n'a pas d'amis. C'est mon copain. Et je veux qu'il ait plein de copains. Tu vois, il n'a pas de mission, là, il est tout seul. Au moins, il aura une centaine de personnes à sa disposition. Ou alors, il sera vraiment pas content. Mais dans tous les cas, moi, ça me fait plaisir. Bon, allez, tu me le scannes, lui, là, qu'on n'en parle plus. Allez, vas-y, mon pote. Scannage en direct. Nelson Chauve, excès de vitesse. R1 pour écouter les conversations à distance. Ok, je vois pas trop l'intérêt de la mission, mais c'est rigolo. Lui. Scannage corporel. Délit d'intention. Et lui. Ils font quoi sur le toit, eux? Fraude fiscale. Ah, ils se battent, en fait. Ah, il y en a encore une, là. Et c'est qui, elle? Katie Loden, fraude fiscale. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Suspect n'est pas dans le coin. Untrouvable. Il est untrouvable. Ah. Oula, il y a du monde là-bas. Olé. Hop. Derrière maintenant. Donc là, c'est par là. Ils sont là. Allez, c'est parti. C'est là, il y a du monde. Hors de portée. Scannage latéral. Julio refuse d'obtempérer. On va écouter ce qu'il dit. Deuxième scannage. Joseph Watzmack. Et terrible, cet hélicoptère. Et Brigade des Mœurs. On va écouter ce qu'ils disent tous. Oh, il vient d'en abattre un. Ok. Je crois que là, il y a des règlements de compte dans le coin. Il y a eux maintenant. C'est pas très palpitant comme mission, mais bon, ça se fait. Hein. On n'a pas le choix, j'ai envie de te dire. Ok. C'est lui? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On cherche un garage, d'accord, reste sur lui et ouvre l'œil. Je suis en train de l'écouter là. Suivez Chad Milligan pour voir où il a garé sa voiture. Ça marche. J'espère qu'il va marcher un petit peu plus vite par contre. Le chien peut le scanner ou pas? Non. Là, il fait faire caca au chien. Je crois qu'on en a pour 8 jours. Si son chien, il est constipé, on n'est pas dans la merde. Mais ça va ensemble, en plus. Parce que s'il est constipé, forcément, il n'y a pas de merde. Donc, on n'est pas dans la merde. Voilà, c'était le jeu de mots. Le ramucho. Si la cible est plus visible, la caméra ne pourra pas centrer sur elle. Vous devez attendre que la cible soit de nouveau visible. Mais c'est bien, comme ça, on l'a perdu de vue. Il va falloir que je le cherche comme un con. Il est là. C'est bon.
pas visible, mais bon, t'es un peu aidé par la flèche rouge quand même, qui te dit que par où il est passé, quoi. Tant mieux, tu vas me dire. Excusez-moi, des fois j'ai des petits réflexes caméra, son, voir si tout va bien. Parce qu'il m'arrive tellement de fails, vous pouvez même pas vous imaginer. Quand il m'arrive un fail, je suis vraiment dégoûté. Parce que j'ai vraiment pas le temps de recommencer, ça le truc. On dirait qu'il ouvre un garage. Ouais. Une voiture qui arrive. Et là, ils vont se freestyle. C'est Franklin, ça? Ouais. Et là, je pense que je vais reprendre Franklin, à mon avis. Faire une course-poursuite en voiture. Garder la type en champ de vision de la caméra pour transmettre les instructions à Franklin. Ça marche. Elle est où, la Z-type? Elle est où, la Z-type? Je vois ça, je te rappelle. Mais il s'est barré si vite que ça, le mec. Il rentre dans un garage et tu le trouves plus, quoi. Normal. Quoi, ce bordel? Allez, c'est parti. On suit la Z-type. Pour donner les instructions à Franklin, la Z-type, elle est super énervée. Voilà. Ouais, c'est surtout pas fail, hein. Ça commence à saouler, les fails. En même temps, un let's play sans fail de ma part, eh ben, je m'appellerai pas Jaya. Je m'appellerai Diablo X9. Tout parfait. Chaque mission est réussie. Tout va trop bien. Je suis un PGM. C'est magnifique. Non, on se fait chier. Je vais pas dire, mais... C'est bien quand on fail un peu. Il est où? C'est lui, là. Ouais. Ouh là là, j'ai failli le perdre encore. Hop là. La petite ruelle qui va bien. Il va se cacher, le coquin. Il croit qu'on l'a pas vu. Mais il sait pas que les hélicoptères le suivent. Ouh là, la sortie qui t'a fait, oh. Il est chaud à suivre quand même. Ok, le pont. Il va tourner. Sinon, c'est pas rigolo. Non, il est là. Ah, il est là. Vas-y, occupe-toi-en bien parce que là, ça commence à être longué ta mission, mon pote. Allez, hop là, l'autobus. Bim. Allez, suivant. Deuxième autobus. Oh, il fait carnage dans la ville, le gars. Il y a de la chance quand même. Moi, je fais la même chose, je me bouffe tout là. Où est-ce qu'il va? Les bureaux de Life Invader. J'ai l'impression que dans ce jeu, ils ont une petite dent contre Apple. Ils envahissent ta vie, quoi. T'envahissent. Le parking demande l'intervention d'unité au sol. Bon, ben là, va rentrer en jeu mon ami Franklin. Faut être patient, hein. Je deviens violent quand je germe. Rien l'énerve. Bon, le suspect est à l'intérieur. Ah ouais, cette classe. Donc là, c'est lui ou pas? Non, ça a pas l'air. Ça a pas l'air non plus. Et on sait pas ce qu'il veut. Lui est dans sa caisse. C'est palpitant. Zoomer sur les civils notables. Ouais. Est-ce que c'est lui? Ok, c'est pas lui. Lui. Allez. Allez, Franklin, dépêche-toi. C'est pas lui. Ok. Ah, on l'a trouvé?
Bon les gars. Deuxième fail. Non, premier fail. Mais c'est au moins le quatrième de l'épisode. C'est pas grave. Si t'es encore là, c'est que tu me kiffes. Si t'es plus là, c'est que t'as rejoint Blaster Jay. N'oublie pas de l'inviter. Il va me maudire. Il faut pas oublier de l'inviter, ça lui fera plaisir. Hein? On dirait que je suis en train de vendre des canapés. Allez. Hop là. J'espère cette fois-ci la police va être clémente avec moi. Mais il n'y a pas de raison que je ne me fasse pas choper. Attends, t'as beau rouler tranquille et faire attention. Voilà, tu vois, t'es rodave, direct. Non, je suis derrière les flics là. Oh non, ils vont me voir. En plus, oh là là, je voulais pas qu'ils me voient pour qu'ils me laissent tranquille. Mais non, il n'y a pas le choix. Hein. On est obligé de se faire rodaf quoi. C'est ça le problème. Et le problème, c'est que moi, je veux pas l'abîmer la voiture. Et là, j'en rejoins d'autres. Hop, on va passer par là. On va se faire oublier deux minutes, excusez-moi. Voilà, on va aller se cacher là, tranquillou. Voilà. Là, ils vont me voir, hein, ou pas. Bon, il n'y a pas de raison. On va attendre deux minutes. Histoire que la police m'oublie. Non, il y en a encore. On va rester garé, tranquille. Et on va regarder Franklin, tranquille. Il est beau, Franklin. Non, c'est toi, Franklin. Oui, te retourne pas, c'est toi que je parle. Voilà, c'est bon. LPD. La police est passée. Là, on va se la faire plus soft. Et on va la ramener en bon état. Attention les gros camions, parce que ça, ça raye. Attention le petit poteau, parce que ça, ça fait des pocs. Et les pocs, tu revends pas ta voiture après. La petite sortie à droite, on reste bien sur sa droite. On freine pour pas faire un jump de merde et éclater la voiture au sol. Ouh là 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 là, voilà. Aucune égratignure, c'est tout juste parfait. Jaya continue. Par contre, elle a vraiment des freins de merde. Et je savais pas si je devais aller à droite ou à gauche. C'était à gauche. On perd pas espoir. 500 mètres. On y est presque. Au but ultime de cette mission. Et à la fin de cet épisode. Et là, on va faire le saut unique. Le mec, il a rien compris. Saut unique avec la voiture de luxe qui doit ramener en bon état. C'est pas grave. Non, je suis pas... J'aime bien faire l'idiot, mais... Je suis pas autant que tu peux le penser. Il y a des moments, j'ai des moments de lucidité, des moments de PGM. Wow, doucement. Voilà, petit demi-tour, on est bien, Tintin. On arrive ici, on se fait ouvrir le portail et on va aller voir la secrétaire toute coquine. Bonjour. Hey, I'm supposed to meet Devin Weston here. Mr. Weston's hangar is up there on the left. Ok, ça marche, merci. C'est ici qu'il y a des bons avions à Chourave. Regarde. Ouh, ça sent le jet privé. Oh, there she is. Well, you know, if this beauty was a woman, I'd have to break my 20 and under rule. Man, I'll just stick to driving, all right? Hey, tell me something. You know how many of these things they made? Shit, like 10? No, not like 10, man. Exactly 10. Oh, wow, man, you one of them type of dudes, huh? Tell you something, how'd you like to drive a car like this one day, man? For real. Like this? Or this? Oh, man, right back at me, homie. Really nice. Hey, you know something? You're not like those snowbird retiree pals of yours. You are sharp, man. Man, I'm just looking for a paycheck for my services. No, don't worry. It'll come. That'll come. But right now, it is life lesson time, pal. You have got to wake up to what's real in this situation, bro. Take me, right? I am opportunity, I'm security, I'm fast cars, blow jobs, I got the world on a plate. Those two clowns, oh man, they are the worst kind of disaster that can ever come down. They are a full-core meltdown, and you're just standing there soaking up major radiation. You have got to take stock, man. Make that call, before it's too late. Yeah, all right, man, I will. Before it's too late, man. Yeah, yeah.
Just take any car and go! Bon, à la sortie de l'aéroport, prenez n'importe quelle voiture et allez-y, mais en même temps, ils m'ont mis que des voitures de merde. Donc on va prendre cette voiture de merde. Hein. Je pense que la mission est finie. Blaster Jay veut faire du cycle américain. Blaster Jay a une envie de vélo. Donc je te dis, invite Blaster Jay pour faire du BMX avec lui. Envoie 3615 Blaster Jay. Il sera trop content. Blaster, je t'envoie des amis par milliers. Vas-y, ouvre-moi, merci. Mission terminée, 0$, tout ça pour que dalle. Voilà, c'est génial. On n'est pas trop mal. Épisode 16, c'est fini. Je t'embrasse. Qu'est-ce qui se passe? Je te kisse la molaire. Porte-toi bien. Et on se voit lundi. Si j'ai le temps de faire un épisode entre temps. Ciao.